Je suis de retour avec plein de vidéos. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Spreezy, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt nickel. J'ai fini ma semaine de pause sur YouTube et on reprend le travail avec énormément de vidéos réactions. Et pas que des vidéos réactions aussi, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Mais je vais d'abord me concentrer sur les vidéos réactions parce qu'il y a beaucoup trop de bandes annonces qui sont sorties depuis le temps. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va réagir à la nouvelle bande annonce du film À couteau tiré, le nouveau film de Ryan Johnson avec un casting 5 étoiles, qui sortira le 27 novembre, donc c'est tout proche. Pourquoi ils nous sortent une bande-annonce à quelques jours de la sortie? C'est peut-être parce que, bah, en vrai, la publicité pour ce film n'a pas été énorme non plus. Regardez, par exemple, pour les CGR, le groupe de cinéma où je vais tout le temps, ils ont même pas encore proposé les séances du film. Et pourtant, c'est vraiment un film que j'attends avec impatience grâce au casting. Le casting est absolument fantastique. Si vous n'avez pas vu la première vidéo réaction à la première bande annonce, je vous invite à aller voir dans le petit i en haut à droite ici. Cette vidéo là sera certainement plus constructive et plus longue que celle d'aujourd'hui parce que la bande annonce d'aujourd'hui fait environ une minute, donc du coup c'est très petit, c'est comme si on avait un spot TV. Mais je vais malgré tout vous rappeler un peu le résumé du film. Célèbre auteur de polar, Harlan Trombay est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. C'est un peu comme si on avait une histoire d'Agatha Christie, réalisé par Ryan Johnson. Et ça sera un peu aussi dans le même style que le film Le Crime de l'Orient Express, film que j'ai énormément adoré et que je vous invite à voir. Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, réaction, générique. Couteau tiré, seconde bande annonce, c'est parti. Non. Est-ce qu'on peut faire pause? Pourquoi vous posez toutes ces questions? Repartons. J'adore Tony Colette. Cette famille est totalement désespérée. Lorsque les gens sont désespérés, ils sortent les couteaux. Si vous savez quelque chose, dites-le. Je soupçonne un acte criminel. Voilà, il s'enfuit. Non. Si. Quoi? Quoi? T'as trouvé ça sur Google? J'ai trouvé ça sur Google, ok. On devrait s'en plus souvent. C'est juste une bande-annonce de promo pour le film avec tous les commentaires et justement bah, avec les dialogues du film, ils arrivent à rendre le tout un peu comique dans la bande-annonce. Non, ça fait vraiment rire à leur réaction aux commentaires de presse. Oui, bon, en fait, c'est juste un petit spot TV du genre que l'on voit à la télé sur oh mon dieu, 4 étoiles, 5 étoiles, le meilleur film de tous les temps, bon, ce genre là. Ouais, bon, c'était une bande-annonce de promo du film, quoi, c'était pas vraiment une bande-annonce. Quand même content de voir que apparemment il n'y a pas que moi qui soit intéressé par le film, franchement, vu les critiques de la presse là, ça a l'air intéressant. Bon, bien sûr, ils mettent les meilleures critiques de la presse, à moins que ce soit l'équipe du film qui a rajouté ça au montage et que c'est pas du tout des critiques de la presse, mais bon, à voir. Ouais, bon, cette bande-annonce, elle est plate, hein, y a pas grand-chose à dire dessus, c'est juste, oui, non,
un truc du genre. Mais bon, moi je suis toujours attiré par le casting, par le pitch de l'histoire, bref. Je veux ma séance de film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, même si ce n'était pas vraiment une bande-annonce, c'était plutôt un spot TV de promo du film. Mais même si vous avez aimé ma vidéo, ben vous pouvez tout simplement vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, à activer la cloche pour suivre toutes mes autres vidéos et à me suivre sur tous les réseaux sociaux, y compris un tout nouveau réseau social où je me suis inscrit et je vous invite à venir dessus, c'est mon compte Utip. Voilà, j'essaierai de faire une vidéo très prochainement pour en parler, ne vous inquiétez pas. Passez une bonne journée, c'était Esprit Z, coupé.